sur mon deuxième pack avec le Neox Dirt Striker. Le premier c'était au club Bateau RC34. Maintenant c'est sur ma piste de référence, le Paul RC du Bois de Rose. Allez go. Toujours avec la lipo d'origine. Et là ben, je vais essayer de tartiner un peu. Si je me sens. Je tape un peu. Allez, fichu. Ouais, il est vif. Là, oh, il tourne court, putain. Ah, je viens de rouler un truggy, le Team Magic Tekken. Ça change net. Ah, il glisse. Faut que je me réhabitue. Bon, forcément, ça sautille. Hein, la suspension elle est très souple. Et ça, tu le retrouves souvent sur les machines débutants. Des huiles très souples. Bon, par contre, déjà, il subit pas le terrain. Il est quand même assez accidenté, pas très bon état. Ouais, il se démerde bien sur les pavés qui sont glissants. Ouais. Bonne petite accélération. Hop là. Et premier crash. Oh, ça glisse. Ouch. Ouch. Elle a pas aimé. À mon avis, j'ai pété l'autre fusée qui est pas renforcée comme celle de droite. Oh non, merde, la jante. Oh non. Alors, jante, plot de chaos. Bon ben, ça duronne. J'ai pas été trop gentil. Voilà, ça c'est fait. Allez. Putain. Ah merde, le rond. Bon. Bah, je suis allé fort, mais... Quand je regarde les vidéos, j'allais vite, mais... Bon, bref. Bah, t'es gentil non plus. Allez, ciao.